qu'est-ce que la journée d'accueil? On va dire que c'est le moment clé du départ de votre alternance. Donc, c'est une journée qui est à la fois solennelle, conviviale, et elle signe l'existence, le démarrage de l'existence de votre promotion. Alors, lors de cette journée d'accueil, déjà sera présente votre équipe tutorale. Alors, votre équipe tutorale est composée d'un tuteur. Le tuteur est un équivalent métier, c'est-à-dire que c'est la personne qui exercera le métier pour lequel vous êtes formé. Par exemple, si vous intégrez BTS Banque, votre tuteur sera un conseiller financier. Vous ferez connaissance également avec votre maître d'apprentissage qui, lui, est votre manager et le manager de votre tuteur. Ensuite, vous rencontrerez les membres du corps enseignant, donc formateurs et professeurs. Cette journée est animée, elle est même préparée et animée par un RPF, un responsable projet formation de Formapost. Ce RPF sera chargé durant tout votre cursus de vous suivre. Donc il assurera à la fois la coordination et le suivi de votre promotion. Alors, comment se déroule cette journée d'accueil? Dans un premier temps, le responsable projet formation organise des temps d'échange avec votre équipe tutorale et avec le corps enseignant. Ensuite, dans un second temps, vous sera présenté de manière précise le déroulé de votre cursus d'alternance, c'est-à-dire comment s'articulent les périodes en entreprise et les périodes de cours, le rythme d'alternance et le contenu précis, on va dire, de la formation et des cours. Vous seront remis à cette occasion le planning et votre livret d'accueil et de suivi. Ensuite, vous allez faire connaissance avec votre parrain, votre marraine. Alors, c'est un rituel un peu particulier à Formapost. Le parrain est un représentant stratégique de l'entreprise, souvent un cadre stratégique, qui a deux rôles à jouer auprès de votre promotion. Le premier rôle, c'est de vous donner la vision de l'évolution de l'entreprise, la vision de sa stratégie, en fait, ses grands projets. Et son deuxième rôle, c'est d'exercer un suivi un petit peu particulier. Vous le rencontrerez à plusieurs moments, dans plusieurs étapes de votre cursus. Et enfin, pour finir en beauté, vous êtes proposé un buffet.